gardien de Galaxy. Skipless a pensé qu'il n'était pas si sérieux que ça à propos de son retour. Ah, et finalement, la lettre arrive à la stipulation que je vais vous lire, car je veux parfaitement vous donner les sentiments de Dave. Alors Dave dit, et je cite, si tu veux que je sois à WrestleMania, tu vas me donner ce que je veux. Ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment. Je vais te dire ce que je veux, ce que je veux vraiment, vraiment. Et voilà, les spiders. Super. Il est tellement drôle, très bon. Il rigolera moins avec sa manière. Je veux mettre ta carrière en jeu à WrestleMania. En d'autres mots, si il arrive à me battre, je ne pourrai plus combattre dans ce ring ensuite. Dave, t'as tabassé un homme de 70 ans. Un an après qu'il ait connu presque son lit mort, tu as tabassé cet homme pour obtenir un match à WrestleMania. J'ai finalement accepté d'aller au MetLife Stadium sur la plus grande scène du monde, plus de 75 000 membres de l'univers de la WWE WrestleMania. J'ai accepté, pourtant tu m'envoies une autre lettre parce que c'est ce que tu fais. C'est une autre tentative venant de ta part pour démissionner. Je ne vais pas te laisser te défiler cette fois-ci. Je vais t'obliger à être à la hauteur de tes annonces. Je vais t'obliger à être là. Tu crois que je suis obsédé par toi? Tu comprends pas, Dave? J'en ai rien à foutre de toi, j'en ai jamais rien eu à faire. La seule chose qui m'obsède, c'est de botter le cul. Pardon, hein, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Et pour être honnête, si à ce moment-là de ta carrière et de la mienne, je ne suis pas capable de battre un, excusez-moi l'expression, un connard comme toi. Alors, je sais que je ne mérite plus d'être dans ce ring. Tu veux que ma carrière soit en jeu dans la nuit du 7 au 8 avril prochain à WrestleMania? Ok! Ah. Dans le jargon juridique, on appelle ça une transaction. Et bien voilà donc, la transaction est faite. Ce sera donc Triple H contre Batista. Et on a compris, hein, si le Triple H est battu, et bien il ne remontera plus jamais dans un ring à la WWE. Ça, il fallait pouvoir accepter. Il faut être vraiment sûr de soi. Je crois conscient.